Bien. Écoutez, bonsoir. Merci, cher public, d'être là ce soir pour une conférence que nous attendions avec beaucoup d'impatience. Voilà. Donc, je voulais vous dire, j'espère que l'information est passée, mais que Jean Garrigue, qui devait venir le 25 mars, ne viendra pas. Il a annulé sa conférence et Jean-Marc Balanci, que certains d'entre vous connaissent, nous fera une autre conférence et on est très heureux de le recevoir. Alors voilà, nous sommes très honorés, très heureux de vous recevoir, Daniel Angler. Et avant de laisser la parole à notre ami et administrateur Alain Duplex, je voudrais juste dire quelques mots. Pour nous, il était impensable qu'une grande figure comme la vôtre vienne nous parler. Un très grand merci donc. Mais c'est peut-être le miracle du CML. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la générosité de nos conférenciers. Mais il était aussi impensable que nous ne parlions pas sur le thème des grands bouleversements de l'œuvre, le grand bouleversement à l'œuvre, je vais y arriver, de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il n'est plus question d'être pour ou contre. Nous faisons déjà avec et elle est partout. Vous menez depuis longtemps la réflexion la plus juste possible sur ce qui différencie l'IA de l'intelligence humaine. Cher public, je vous conseille votre dernier ouvrage, Daniel Angler, intitulé « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme ». Laisse supposer quand même pas mal de mystères à résoudre. Nous percevons l'intelligence artificielle comme un bouleversement d'aujourd'hui. Or, l'IA est née il y a environ 70 ans. Elle a donc une histoire et les philosophes et les scientifiques savent que la voie d'accès au présent ne peut avoir lieu sans une forme d'archéologie, autrement dit, sans un retour aux sources. Après des débuts modestes, l'IA a fait des progrès si vertigineux ces dernières années qu'elle risque de modifier en profondeur notre monde. On ne peut donc la laisser dans les seules mains de ses concepteurs ou d'un capital à l'appétit d'ogre qui ne serait pas regardant sur ce qu'il ingère et sur ce qu'il pourrait produire à terme, s'il échappait, bien entendu, à tout contrôle humain. Ce serait alors un très mauvais conte, et on en connaît qui se termine très mal. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonsoir à tous. Bah, écoutez, je vais vous dire, moi aussi, que le CML est un grand plaisir ce soir à recevoir M. Daniel Angler. C'est un grand honneur aussi, sur le thème de l'intelligence artificielle, un grand honneur, tant notre invité a eu une carrière tout à fait prestigieuse, tant dans le domaine des mathématiques que celui de la philosophie. Parce qu'après des études de mathématiques aux États-Unis, si j'ai bien compris, vous êtes orienté vers la philosophie des sciences, et plus particulièrement la philosophie des connaissances. Donc revenant en France, vous avez enseigné les mathématiques aux universités d'Orsay et de Paris, et puis ensuite, dans ce domaine de la philosophie de la connaissance, vous avez été directeur d'études au CNRS, membre senior de l'Institut universitaire de France, qui a pour mission de promouvoir la recherche et l'enseignement au plus haut niveau. Vous avez été directeur au Centre de recherche en épistémologie appliquée à l'École polytechnique et vous avez fondé le département d'études cognitives de l'École normale supérieure. C'est bien ça. Alors, je ne vais pas citer toutes les institutions que vous avez créées ou dirigées, mais je dois évidemment mentionner que vous avez été élu en 2016 membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes donc un spécialiste reconnu des sciences de la Commission et vous êtes l'auteur de maintes publications sur ces questions, et votre dernier ouvrage, paru tout récemment en 2023, a pour titre « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme ». Alors, ce terme, ce mot d'énigme suscite évidemment notre curiosité, spécialement dans ce domaine de l'intelligence, dont on pensait jusqu'ici qu'elle était le propre de l'homme, comme le rire. Mais qui maintenant semble aussi pouvoir être artificielle.
Alors, je crois pouvoir dire sur ce sujet que c'est un véritable déferlement qui nous arrive, auquel on assiste depuis 1 ou 2 ans, dans la presse, sur les écrans, dans les colloques, et même dans le grand public, il y a de plus en plus de particuliers qui se sont essayés sur ChatGPT, que tout le monde connaît peut-être ici, ChatGPT, à poser des questions à cet outil extraordinaire qui semble avoir réponse à tout et qui paraît pourvu effectivement de capacités intellectuelles et d'un savoir-faire sans limite. Alors, il y a aussi des esprits méfiants qui se demandent jusqu'où ceci peut-il aller. N'y aurait-il pas des inconvénients et peut-être des menaces? Alors vous tombez bien, monsieur Andler, pour nous dire ce qu'il en est de tout ça. Cette intelligence artificielle, au fond, c'est quoi? D'où ça vient? Apparue si soudainement, semble-t-il? Va-t-elle devenir un auxiliaire incontournable de l'intelligence humaine ou bien une rivale? Alors, nous comptons sur vous, évidemment, pour nous expliquer tout ça. Si je peux me permettre, nous expliquer tout ça en termes simples, parce que vous êtes ici à Toulon, devant un public, certes, de qualité, tout à fait de qualité, mais alors, c'est quand même pas l'Académie des sciences. Alors, je reviens d'un mot sur ce livre. J'ai voulu me lancer à le lire. Mais je n'ai pas eu le temps d'aller très loin parce que votre conférence a été avancée dans le temps. Elle était prévue initialement au mois de mai et donc j'ai été pris par le temps. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à ChatGPT de me le résumer. Et le résultat est tout à fait intéressant et parfaitement bien écrit. Parfaitement bien écrit. Mais je me garderai bien d'en dire quoi que ce soit ce soir. Je préfère vous laisser le soin d'en parler vous-même, et je vous passe donc la parole. Merci beaucoup, monsieur, merci beaucoup, madame, merci au Collège méditerranéen des libertés de m'inviter ici à Toulon. Je suis très heureux et très honoré d'être ici. Est-ce que... Vous m'entendez? Oui, oui. Je parle assez fort? C'est bon? Ok. Donc évidemment, je ne vais pas répondre à toutes vos interrogations. L'IA est un sujet en fait assez compliqué, assez divers. On va cheminer ensemble et bien entendu, je compte sur la période de questions hein, pour dissiper les éventuelles difficultés, obscurités et confusions qu'auraient pu naître. Vous pouvez d'ailleurs, enfin je le dis, mais je sais que ça ne marchera pas, mais quand même, on ne sait jamais, si vous voulez m'interrompre, vous pouvez m'interrompre, poser une question, ça ne me gêne pas du tout, au contraire, ça me stimule. Donc s'il y a quelque chose que je dis et qui n'est pas du tout clair, n'hésitez pas à pousser un petit cri, et moi j'essaierai de répondre, et si la question est trop difficile, je la remettrai pour la discussion. Donc voilà. Allons-y, il faut faire démarrer cette machine, voilà. Ok, alors ça c'est la couverture du livre, on en a suffisamment parlé. Voilà, je vais commencer par une question. Pourquoi est-il aussi difficile de définir l'intelligence artificielle? Alors d'abord, il y a une petite clarification, mais qui est très simple. C'est pas du tout quelque chose de subtil ou de profond, mais c'est une question de terminologie sur laquelle il faut se mettre d'accord. Il y a trois sens de intelligence artificielle, abrégée ou pas abrégée. Il y a d'abord un projet, une institution, une industrie, un ensemble de laboratoires qui est l'intelligence artificielle, comme on parle de l'automobile ou l'acier ou quelque chose comme ça. Ensuite, il y a ce que fabrique cette industrie, cette science, cette entreprise. Ce sont donc des systèmes qui sont produits dans le cadre de ce projet, par cette institution, par cette communauté. Alors j'appelle ça, moi personnellement, mais je ne suis pas le seul, des systèmes artificiels intelligents, SAI, de préférence à ce qui est malheureusement devenu un peu l'habitude, c'est de parler de une IA ou des IA. Alors on dit maintenant une IA qui a réussi à faire ceci ou cela. D'abord, je trouve pas ça joli, et puis ça introduit une sorte de confusion. Et puis quand on dit une IA, alors on exclut les robots intelligents, mais les robots intelligents font partie de cette mouvance, de ce mouvement scientifique et culturel. Et donc avec
l'idée de système artificiel intelligent, on regroupe les deux. Et puis on a aussi cette idée que, en fait, l'impact de cette industrie, de ce projet, c'est par ces systèmes artificiels intelligents qui s'exercent. Donc ça, c'est la deuxième sens d'intelligence artificielle, donc une intelligence artificielle, des intelligences artificielles, moi je parle donc de système. Et puis il y a, et ça c'est le plus mystérieux, le plus délicat, il y a l'intelligence artificielle comme une sorte de propriété, comme une sorte de qualité, quelque chose qui est peut-être impalpable, ou quelque chose qui se répand, ou quelque chose qui est en voie d'advenir, et qu'on poursuit d'une certaine façon sans être trop sûr de l'avoir atteint. Donc il y a ce troisième sens, intelligence artificielle comme une capacité, quelque chose qui se mettrait effectivement au niveau, en quelque sorte, qui serait de la même nature, tout en étant différent, de l'intelligence humaine. Alors, c'est pas qu'on sache vraiment très bien ce qu'est l'intelligence humaine, mais je vais y revenir plus loin. Donc, il y a déjà ces trois sens, mais c'est juste une question de clarification, de vocabulaire, il n'y a rien de très profond là-dedans. Alors, j'ai dit que ma question, c'était pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle est si difficile à définir. Alors donc, ça présuppose que c'est difficile. Si j'ai posé la question, c'est que c'est difficile. Alors, effectivement, comme on l'a dit à l'instant, pour beaucoup de gens, l'IA, c'est quelque chose qui est arrivé, en quelque sorte, sur la scène avec ChatGPT. Et puis les autres modèles qui depuis sont encore meilleurs, Midjourney, Stable Diffusion, et Sora qui vient de sortir, etc. Alors, ça c'est une façon de voir l'IA, c'est pas forcément la bonne. L'IA c'est plus largement tout ce qui fait marcher les systèmes numériques. On dit qu'il y a de l'IA partout. Oula, pardon, j'ai oublié d'atteindre ce truc-là. L'IA c'est tout ce qui fait marcher les systèmes numériques. On dit qu'il y a de l'intelligence artificielle dans les téléphones portables, dans tout ce qui fonctionne en quelque sorte avec le numérique. Il y a de l'intelligence artificielle dans les machines à laver intelligentes, dans les voitures semi-autonomes, etc., etc. Ou alors peut-être c'est seulement une partie de ce qui fait tourner en quelque sorte les systèmes numériques, parce qu'on ne va peut-être pas dire que Word ou Excel ou effectivement un lave-linge automatique est nécessairement intelligent au sens de l'IA, donc on ne sait pas très bien. Et finalement, on peut dire que l'IA, c'est peut-être ce qui permet aux ordinateurs et autres systèmes numériques de faire des choses qui exigent chez l'humain de l'intelligence. Donc, on ne sait pas très bien entre ces différentes possibilités. Alors faisons d'abord une petite chronologie. Ceux qui disent que l'intelligence artificielle s'est née avec ChatGPT lui donne à peu près 14 mois de vie, un beau bébé. Ceux qui en savent un peu plus long se disent « Ah ben c'est au fond ce qui est arrivé avec ce qu'on appelle l'apprentissage profond, ou en anglais le deep learning. » Donc là du coup ça ferait à peu près 20 ans d'âge. Plus cultivés encore sont ceux qui savent que le deep learning est l'héritier d'une longue tradition qu'on appelle le connexionnisme et qui aurait plutôt 40 ans d'âge. On nous a dit à l'instant que si on compte depuis les origines, ça fait à peu près 70 ans d'âge. Si on inclut les prémices qui a précédé directement l'intelligence artificielle officiellement, ça fait à peu près 80 ans, c'est le milieu des années, la fin des années 40, le milieu des années 50, et puis finalement la préhistoire de l'intelligence artificielle, c'est facilement 4 siècles depuis que les philosophes envisagent la possibilité d'automatiser en quelque sorte les processus intelligents. Voilà, alors donc déjà la chronologie nous donne une sorte, comme on l'annonçait d'ailleurs, une sorte de perspective en se disant, ben voyons, c'est un projet qui remonte à assez loin,
Si on compte la préhistoire, c'est bien avant l'arrivée des ordinateurs. Donc, finalement, ce n'est pas si simple que ça de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, de la définir. Alors, on peut s'adresser à une autorité qui est la Commission européenne, qui, dans un document extrêmement important et très respecté, auquel ont participé de nombreux spécialistes, dont je connais certains, pour lesquels j'ai la plus grande admiration, et voilà ce qu'ils écrivent dans un document qui s'appelle donc les directives éthiques pour une IA de confiance, un document de 2019, donc pas très vieux, et donc voilà ce qui, voilà la définition qu'ils donnent. Les systèmes d'intelligence artificielle sont des systèmes logiciels et éventuellement matériels, suivez mon regard, les robots, conçus par des humains qui, compte tenu d'un objectif complexe, agissent dans la dimension physique ou numérique, en percevant leur environnement par l'acquisition de données, en interprétant les données structurées ou non structurées collectées, en raisonnant sur les connaissances ou en traitant les informations dérivées de ces données, et en décidant de là où des meilleures actions à entreprendre pour atteindre l'objectif fixé. Les systèmes d'IA peuvent utiliser des règles symboliques ou apprendre un modèle numérique, et ils peuvent également adapter leur comportement en analysant la manière dont l'environnement est affecté par les actions, leurs actions précédentes. Alors, si vous n'avez rien compris, c'est que vous êtes intelligent. C'est incompréhensible, c'est totalement inintelligible. C'est invraisemblable que ces personnes respectables et individuellement très intelligentes aient accouché de quelque chose d'aussi incroyablement étrange. Premièrement, pour comprendre, il faut déjà savoir ce que c'est, et puis ça va dans toutes les directions. Enfin, on ne sait pas où donner de la tête. C'est un petit peu comme si on vous disait la médecine sait, et puis suivrait 10 lignes, on vous dit ben alors, c'est des antibiotiques qui font ceci, parfois ou cela, et parfois c'est de la cortisone, et parfois on opère, et parfois on fait ceci, et parfois on fait cela. C'est pas ça la médecine. La médecine, c'est une entreprise respectable et ancienne qui vise à restaurer la santé humaine ou maintenir la santé humaine ou la santé d'une population. Voilà une bonne définition de la médecine. On peut faire mieux, bien sûr, mais ça, c'est pas du tout une énumération de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut mobiliser pour quand on fait de la médecine. Donc, voyez, même la Commission européenne a du mal, donc l'idée que c'est difficile à définir se confirme. Alors, pour se sortir de là, je pense qu'il est important de regarder ce que vise au départ l'entreprise, le projet de l'intelligence artificielle. Et donc, je prends, je remonte à Turing, 1950, je ne remonte pas plus loin que ça, et voici ce que nous dit Turing. La question « Les machines peuvent-elles penser ?» me semble trop vide de sens pour mériter d'être discutée. Et néanmoins, je pense qu'à la fin du siècle, il écrivait en 1950, donc c'est le 7e siècle, l'usage des mots et l'opinion des gens instruits auront tellement changé que l'on pourra parler de machines pensantes sans s'attendre à être contredit. Donc là, Turing, qui est un grand bonhomme, un mathématicien très connu, enfin, dont la célébrité est due en partie au fait qu'il a, comme vous le savez peut-être, pendant la Seconde Guerre mondiale, travaillé à Bletchley Park pour déchiffrer le code allemand, ce qui aurait, semble-t-il, grandement facilité les alliés et leur aurait notamment permis de finalement l'emporter sur l'Allemagne. Alors quoi qu'il en soit, voilà ce que nous dit ce grand esprit, ce visionnaire qui a aussi participé et conçu le schéma général de l'ordinateur. Il nous dit voilà, évidemment en 1950 les gens pensaient qu'une machine ça ne peut pas penser, c'est une sorte de contradiction dans les termes, n'est-ce pas, une machine qui pense, ben non, il n'y a que nous qui pensons. Et il nous dit, mais pas si vite, les choses vont évoluer et on finira par admettre, sans crainte d'être contredit, qu'une machine peut penser. Donc il prépare le terrain, si vous voulez, là ce n'est pas encore une contribution technique, une contribution mathématique, c'est une sorte de préparation à l'idée même qu'une machine peut penser. Alors la naissance de l'intelligence artificielle, qui se situe en 1950,
1956. Voici auxquels ont participé donc un certain nombre de gens, dont l'un des plus célèbres est Herbert Simon. Et voilà ce que Herbert Simon écrivait en 1957. Il écrivait « Je ne cherche pas à vous surprendre ou à vous choquer, mais pour le dire aussi simplement que possible, il existe désormais dans le monde des machines qui pensent, qui apprennent et qui créent. De plus, leurs performances en la matière vont augmenter rapidement jusqu'au moment où, dans un avenir prévisible, tout problème auquel l'esprit humain s'est appliqué sera à leur portée. » Alors ça, c'est particulièrement frappant. D'abord parce que Herbert Simon, c'est pas un visionnaire, un prospectiviste un peu fumeux, etc. Non, non, c'est un grand esprit, l'un des plus grands penseurs des sciences de l'homme et de la société au XXe siècle, qui a obtenu le prix Nobel en 1976, je crois, et peu après le prix Turing, une sorte de Nobel de l'informatique, le prix Nobel d'économie, j'entends. Et puis ensuite le prix Turing, qui est une sorte de prix Nobel de l'informatique, 2 ans plus tard. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux. Et il est très étonnant que cet homme extrêmement sérieux nous dise en 1957 qu'il existait déjà des machines, des ordinateurs, qui étaient en quelque sorte à l'égal de l'être humain. Alors non seulement ce n'était pas du tout le cas en 1957, mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc il est très frappant en quelque sorte qu'un esprit raciste de ce genre, de ce gabarit si vous voulez, se laisse aller en quelque sorte à une vision aussi optimiste en quelque sorte de l'entreprise de l'intelligence artificielle. Et ça, cette espèce d'optimisme exagéré, quelque chose qui va accompagner l'intelligence artificielle tout au long de son histoire, ce qui peut nous amener à nous tromper aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, comme on l'a dit, a effectivement fait des progrès remarquables. Alors, un peu plus loin, alors, l'autre citation, j'avais oublié que j'allais aussi vous la proposer, Frank Rosenblatt, qui était d'une certaine façon le représentant, l'ancêtre de ce qu'on appellera ensuite le connexionnisme et le deep learning, j'y reviendrai peut-être, voici ce qu'il disait en la même année. Le perceptron est l'embryon d'un ordinateur électronique qui sera capable de marcher, alors sera, il met quand même le futur ici, qui sera capable de marcher, de parler, de voir, de lire, de se reproduire et d'être conscient de sa propre existence. Donc vous voyez qu'on met la barre assez haut en 1957. Alors un peu plus tard, Marvin Minsky, qui était un autre des fondateurs de l'intelligence artificielle lors d'une célèbre réunion qui avait eu lieu en 1956 à Dartmouth aux États-Unis, voici ce que disait Marvin Minsky: d'ici 3 à 8 ans, nous aurons une machine dotée de l'intelligence générale d'un être humain moyen. Je veux dire une machine qui sera capable de lire Shakespeare, de lubrifier une voiture, de faire de la politique de bureau, les petites intrigues de bureau, de raconter une blague et de se bagarrer. Et à ce moment-là, donc d'ici 3 à 8 ans, la machine commencera à s'éduquer elle-même à une vitesse fantastique. Et en quelques mois, elle aura atteint le niveau du génie et quelques mois plus tard encore, ses pouvoirs seront incalculables. Donc, que conclure de ces citations ? Ben, d'abord que ces messieurs étaient quand même très optimistes, ça c'est une chose, mais aussi que ce qu'il visait, c'était vraiment l'intelligence ou la pensée. On va y revenir, est-ce qu'il y a une distinction ou pas. Mais voilà, là au moins, de la même manière que j'ai défini la médecine en termes simples, ben vous voyez que ces messieurs ont défini l'intelligence artificielle en termes simples. Alors, peut-être ils s'illusionnaient sur les chances de succès, mais au moins, on voit ce que ça voulait dire, contrairement à la définition de la Commission européenne quelques 50, 60 ou 70 ans plus tard. Alors le projet, c'est donc une machine pensante, intelligente, au sens humain. Alors, la première énigme, c'est qu'est-ce que ça veut dire, intelligent au sens humain? C'est quoi l'intelligence humaine? Sachant que c'est un concept que nous utilisons constamment, dont nous pouvons difficilement nous passer quand nous discutons des uns et des autres, de nos étudiants, de nos professeurs, de notre notaire, de
des personnes que nous voulons embaucher ou débaucher, avec qui nous voulons entreprendre des choses, nous disons il est intelligent, elle est pas si intelligente. Oh, pardon, excusez-moi. Et en plus, c'est enregistré. Bon, on a compris, c'était totalement involontaire. Voilà, donc c'est un concept dont on se sert tout le temps. Et en même temps, on a du mal à dire exactement ce que c'est. C'est un peu comme, c'est classique de rappeler que saint Augustin disait qu'il comprenait ce qu'était le temps quand on lui en parlait, mais si on lui demandait ce qu'était le temps, il était incapable de le dire. Et donc l'intelligence, ça semble aussi être un de ces concepts dont on se sert constamment, et en même temps on a du mal à, on a du mal à le définir. Mais on va quand même faire un petit effort en ce sens un peu plus loin. Alors, en passant, si on ne sait pas très bien ce qu'est l'intelligence humaine, même si on la reconnaît, la personne est plus ou moins intelligente, d'accord. Et puis les chiens sont plus intelligents que les chats, etc. Mais, néanmoins, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'une machine ne peut pas être intelligente? Puisque c'est ça qu'on dit couramment, on a encore envie de le dire, encore aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle triomphante, on est quand même encore très tenté de dire que l'intelligence, qu'une machine ne peut pas être intelligente, parce que c'est une machine. Mais ça, pour cela, ça nous oblige à nous reposer sur une certaine conception de l'intelligence qui, pour l'instant, n'est pas encore explicitée. Alors, je vais essayer de fournir des réponses. Il n'y a pas que des questions et des énigmes. Sinon, ça ne vaudrait pas la peine d'écrire un livre et de vous faire cet exposé. Alors, la deuxième énigme, c'est que, qui porte sur l'intelligence artificielle elle-même, c'est la suivante. Elle fait des progrès spectaculaires, et j'y reviendrai. C'est incontestable. Alors que pendant très longtemps, elle a, disons, pas mal stagné en réalité. Maintenant, les résultats sont là. Et pourtant, je pense qu'elle reste infiniment loin de sa cible, si sa cible est bel et bien, comme on l'a vu à l'instant, l'intelligence humaine. Mais attention, cette opinion est minoritaire. Je ne suis pas le seul à la défendre, mais si vous parlez à beaucoup de spécialistes d'intelligence artificielle ou de commentateurs ou de décideurs politiques, etc., ils vous diront que j'ai tort. Et qu'au contraire, ces progrès spectaculaires de l'intelligence artificielle la rapprochent toujours plus de l'intelligence humaine. Et c'est ça, la difficulté de l'exercice pour moi, c'est à la fois de reconnaître et d'admirer, d'exprimer mon admiration pour ces progrès spectaculaires de l'intelligence artificielle, et néanmoins de m'en tenir à cette idée qu'elle reste infiniment éloignée de l'intelligence humaine. Alors voici donc le rêve de l'éclipse au retour. Le rêve, c'est celui dont j'ai parlé un instant, qui exprimait si bien les citations de Herbert Simon, de Marvin Minsky et de Frank Rosenblatt. Donc, comment est-ce qu'on a pensé à l'époque réaliser ce rêve? Eh bien, c'est la première phase de l'intelligence artificielle, la période dite classique ou symbolique, pour des raisons que je n'aurai peut-être pas l'occasion d'expliciter exactement. En tout cas, l'idée fondamentale, c'est que d'abord penser, c'est fondamentalement raisonner, et raisonner, c'est fondamentalement calculer. Ça, c'est une vieille idée qui remonte à Hobbes et à Leibniz. La cognition, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes mentaux, ce qui nous traverse l'esprit quand nous réfléchissons, doit être vue comme une sorte de logique généralisée qui opère sur ce que les philosophes appellent des propositions. C'est-à-dire, ce sont les pensées, ce sont des pensées du genre de celles qui vous traversent l'esprit. La pensée que il va être trop tard en sortant d'ici pour acheter la baguette parce que la boulangerie ferme à 7h30, mettons. Voilà une pensée. Alors, comment on va faire? Peut-être on en a mis au congélo, on va la sortir, la baguette congelée, etc. Ça, ce sont les pensées qui vous traversent l'esprit et qu'on appelle, dans le jargon de l'intelligence artificielle, des pensées de niveau personnel.
pas personnel au sens où c'est les pensées de Marie-Paul ou de Daniel ou de François ou de je ne sais qui, de Jean-Jacques, mais au niveau, mais parce que ce sont des pensées qui viennent à la personne elle-même, des pensées dont une personne peut être consciente, même si parfois on ne s'attarde pas à expliciter les pensées qui vous traversent et qui vous permettent de retrouver votre voiture au parking, de rejoindre votre maison, d'ouvrir la porte, etc. Vous ne vous les explicitez pas à chaque moment. C'est si vous perdez un petit peu la tête, ou vous avez oublié quelque chose, ou vous expliquez à un étranger qui ne sait pas très bien comment rentrer chez vous, à ce moment-là, vous allez expliciter. Mais vous pouvez expliciter. C'est pour ça que ce sont des propositions qui sont des pensées de niveau personnel. Et comment est-ce que les pionniers de l'intelligence artificielle pensaient réaliser leur projet d'une intelligence artificielle? La méthode qu'ils préconisaient et qu'ils appliquaient était la suivante. Quand vous êtes en train de résoudre une tâche intellectuelle quelconque, une tâche mentale quelconque, ça n'a pas besoin d'être de la science de haut niveau, simplement, voilà, encore une fois, regagner votre logis en sortant de cet amphithéâtre, retrouver votre voiture, retrouver votre chemin, etc., ou planifier les prochaines vacances de la famille, ou gagner une partie de dames, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous réfléchissez, et l'idée, c'est de regarder très attentivement ce que vous faites au moment de réaliser cette tâche. Et une fois que vous en avez une idée suffisamment précise, vous allez pouvoir traduire cette idée, cette conception que vous avez de votre stratégie pour gagner aux échecs, par exemple, ou aux dames, vous allez l'écrire sous forme d'un programme informatique. Alors, il n'y a pas besoin d'être très savant pour savoir ce qu'est un programme informatique, mais vous savez à peu près tous maintenant ce qu'est un programme informatique, parce que nous vivons depuis 70 ans ou plus dans une culture informatique. Même si nous ne savons pas programmer, nous avons idée de ce qu'est un programme informatique. À l'époque, c'était beaucoup plus dur, parce que ce concept n'était pas si clair que ça. Donc tout ça a surgi en quelque sorte en un seul grand mouvement intellectuel, qui est probablement le plus important mouvement intellectuel et scientifique. Je le placerai en réalité personnellement même au-dessus des grandes découvertes de la physique, par exemple. Je pense que c'est plus important encore que les grandes découvertes de la physique, mais là aussi je ne suis peut-être pas majoritaire. Alors donc voilà l'idée, vous regardez comment fait un être humain pour gagner une partie d'échecs, ou pour rentrer chez lui, ou pour projeter les vacances de la famille. Et une fois que vous en avez une idée assez claire, vous écrivez un programme informatique, vous implantez ce programme informatique, cet algorithme sur un ordinateur, et vous regardez si l'ordinateur est capable d'en faire autant. S'il en fait autant que l'homme, eh bien vous avez gagné, vous avez la théorie qu'il vous faut sous forme d'un programme, et du coup vous avez une intelligence artificielle qui fait exactement ce que ferait l'homme à sa place. Donc c'était ça la méthode. Alors, c'était un peu vite pensé parce que, en réalité, ce projet abritait des ambiguïtés. D'abord, est-ce qu'une machine est pensante, intelligente au sens humain? Est-ce que c'est la même chose ou pas? Est-ce qu'on peut penser sans être intelligent? Est-ce qu'on peut être intelligent sans penser? Ça, c'est peut-être plus difficile. Est-ce que cette machine est capable d'exécuter toutes les tâches requérant chez l'humain de l'intelligence? Est-ce qu'il s'agit du même objectif, en quelque sorte, hein, de faire une machine pensante ou intelligente au sens humain, ou de faire une machine qui est capable d'exécuter toutes ces tâches qui requièrent chez l'homme de l'intelligence? L'entreprise en question, alors ça c'est quelque chose que je n'aurai pas le temps de développer, parce que j'ai déjà pris du retard. L'entreprise était double. C'était à la fois l'étude scientifique des mécanismes mentaux chez l'homme, donc ce qui se sera appelé plus tard, parce qu'à l'époque l'expression n'existait pas, les sciences cognitives, et puis c'était une entreprise technologique de fabriquer donc des ordinateurs intelligents. Et là aussi, est-ce que ces deux objectifs, ils étaient vus comme confondus, deux faces d'une même médaille à l'origine, mais ensuite les chemins se sont séparés. Alors, c'était une belle ambition, mais qui a très vite
conduit à un repli stratégique. Donc je vais aller rapidement. D'abord, un être humain qui pense est conscient et il comprend ce dont il parle, ce vers quoi sa pensée est orientée. Quand vous pensez à un chien, vous savez, quand vous pensez à un chien, vous pensez à un chien. Quand une machine pense à un chien, il n'est pas évident qu'elle pense à un chien. Et cette question-là a tourmenté l'intelligence artificielle dès le début, et on a en quelque sorte réglé la question provisoirement en disant « Je ne m'inquiète pas de savoir si une machine qui parle de chien ou qui a sa manière de machine pense à un chien, pense vraiment à un chien de la même manière qu'un être humain pense à un chien. » Donc, on va renoncer provisoirement à équiper notre ordinateur d'une pensée que j'appelle pensante, c'est-à-dire une pensée qui vraiment a cette action intentionnelle qui lui permet de s'adresser à quelque chose qui est situé dans le monde, un chien qui se promène sur un trottoir, etc. Donc on oublie la question de la compréhension et de la conscience, on dit ça, ce serait, si on y arrivait à faire, qui est éventuellement dépourvu de ces capacités-là. On va complètement oublier, on va rapidement abandonner l'idée que l'intelligence artificielle qu'on est en train d'essayer de fabriquer fait comme l'être humain, c'est-à-dire qu'elle va gagner sa partie d'échec de la manière dont un être humain va gagner sa partie d'échec. On va renoncer à la généralité. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important parce que, justement, aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous le sachent, il y a l'idée que grâce à ChatGPT et au modèle semblable, eh bien, nous sommes proches de, justement, de l'IA générale. Mais pendant 70 ans, on a complètement renoncé à l'IA générale. C'est quoi l'IA générale? C'est une IA qui peut s'acquitter de n'importe quelle tâche intellectuelle. Vous, quand vous, je sais pas, quand vous préparez le repas du soir ou que vous projetez les vacances de la famille ou que vous exercez vos fonctions professionnelles d'avocat, de chirurgien, de professeur de mathématiques ou quoi, vous utilisez, c'est la même intelligence qui vous sert à accomplir ces différentes tâches. Vous ne changez pas en quelque sorte de logiciel. Hein, vous ne sortez pas, pour ceux d'entre vous qui vous souvenez de l'époque des disquettes, vous ne sortez pas la disquette pour en mettre une autre. C'est essentiellement le même système cognitif qui vous permet de faire tout ça. Or, l'intelligence artificielle, des débuts en tout cas, et jusqu'à tout récemment, et en fait, à mon avis, encore maintenant, on est toujours à faire des algorithmes spécialisés pour les différentes tâches et n'a pas trouvé le secret, en tout cas elle l'a longtemps cherché et à mon avis elle ne l'a toujours pas trouvé, le secret d'une intelligence générale, d'une intelligence artificielle générale. On va également renoncer à permettre à l'intelligence artificielle de grandir toute seule. On va en fait très rapidement la nourrir des capacités humaines, si bien qu'elle va se présenter de plus en plus comme une mise en conserve, une automatisation des capacités humaines. Là, je fais allusion, pour ceux d'entre vous qui vous souvenez peut-être, de l'époque des systèmes experts. Les systèmes experts étaient des systèmes informatiques qui avaient été nourris par les connaissances que l'on avait extraites des experts du domaine considéré. Alors, si l'expert est un médecin urgentiste, c'est une chose. Si c'est un pompier, si c'est un avocat, si c'est un mathématicien, on lui demande d'accoucher en quelque sorte des règles et des faits qui lui permettent d'exercer avec compétence son métier. Et une fois qu'on les a, on les met en quelque sorte en conserve ou en musique dans un système informatique qui va donc éventuellement être capable de reproduire ses performances. Et puis, on laisse complètement de côté l'idée qu'on va trouver en quelque sorte l'ingrédient qui va rendre la machine intelligente. On oublie en fait cet ingrédient. Et donc, l'objectif, ce sont des systèmes qui vont accomplir un certain nombre de tâches intelligentes, un système par tâche intelligente. Donc, en fait, l'intelligence là-dedans se trouve éliminée. Et un slogan qui est très souvent utilisé, notamment
dans des conférences un peu comme la mienne, on essaie d'expliquer en gros ce qu'est l'intelligence artificielle, et on essaie surtout de, comment dire, de rassurer le public, justement en se débarrassant de la notion d'intelligence. Et on dit donc que l'intelligence artificielle est l'art de produire des effets d'intelligence sans recourir justement à l'intelligence. Alors, la lecture habituelle consiste à dire que on ne recourt pas à l'intelligence comme ingrédient, hein, de la même manière qu'on peut faire, je ne sais pas, des pâtisseries sans sucre ou du pain sans levain. C'est-à-dire qu'on se passe de l'ingrédient. Alors, je dirais que c'est soit inintelligible, soit faux. C'est inintelligible parce qu'on ne sait pas très bien ce que serait l'ingrédient qu'est l'intelligence. Mais d'autre part, si on considère qu'il n'entre pas dans la confection d'une intelligence artificielle de l'intelligence, ce n'est pas vrai non plus, puisque c'est l'intelligence humaine qui est mobilisée massivement pour concevoir ces systèmes, aussi bien au niveau de leurs principes, disons, de fabrication généraux, que des faits et des règles que, par exemple, on va demander aux experts humains. Donc, en revanche, la manière, à mon avis, pleinement intelligible et utile de comprendre ce slogan, hein, l'art de produire des effets d'intelligence sans recourir à l'intelligence, c'est qu'on ne fait pas appel à une notion d'intelligence. On n'a pas besoin de la notion d'intelligence. Donc on peut faire de l'intelligence artificielle, la développer, l'utiliser, l'appliquer, en oubliant la notion d'intelligence. Alors, ce qui est curieux, c'est que tout cela étant dit pour, comment dire, calmer le jeu, rendre le programme... semble-t-il à portée des ingénieurs et des scientifiques, eh bien, il a pour l'essentiel échoué. En réalité, l'intelligence artificielle des premiers temps, dite classique ou dite symbolique, a essentiellement échoué. Elle a traversé ce qu'on appelle un hiver, et ce sont les ingénieurs et les scientifiques de l'IA qui ont parlé d'hiver, parce que l'hiver s'est traduit par l'absence de fonds. Les finances, qui venaient essentiellement de l'armée et de la marine américaine, et dans une moindre mesure de l'armée britannique, l'armée française, etc., ces fonds se sont venus à manquer parce que les militaires ont décidé que ça ne donnait pas les résultats attendus. Et donc, c'est un deuxième paradigme, une deuxième approche très différente qui a pris le relais. Et une des choses à bien comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, ça recouvre en quelque sorte deux approches très différentes. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que la première approche a complètement échoué, c'est un peu comme l'alchimie ou la magie noire ou je ne sais pas quoi, on l'oublie, et que maintenant on a enfin une méthode qui est à la fois scientifique et qui marche. C'est une exagération. En réalité, les deux orientations, les deux méthodes, en réalité, cohabitent, mais aujourd'hui, la mode consiste à dire que l'approche symbolique est morte et enterrée, et que ce qui marche, c'est le connexionnisme. Alors, cela étant dit, il y a bel et bien, ça je l'ai dit, un contraste fort, et c'est important d'essayer de bien saisir des points essentiels du contraste. Donc, d'abord, j'ai parlé d'une personne. Vous vous souvenez, j'ai beaucoup insisté les pensées de niveau personnel, les propositions, etc. Il faut oublier, selon le connexionnisme, il faut oublier ça. Il faut plutôt penser au cerveau et à la perception. Donc, au lieu de considérer que les processus intellectuels sont des processus de logique, rationnel, pensons plutôt à des processus de perception. Et la perception, c'est très différent. La perception, c'est très différent parce que nous n'avons pas prise sur nous n'avons pas une prise consciente sur les processus qui nous permettent de voir. Vous ne savez pas ce qui fait que vous voyez ou que vous ne voyez pas, que vous entendez ou que vous n'entendez pas, que vous repérez vous pouvez localiser une source sonore ou vous ne pouvez pas.
C'est quelque chose qui échappe complètement, premièrement, à votre effort conscient. Vous ne pouvez pas décider de ne pas reconnaître le visage de votre mère, de la même manière que vous ne pouvez pas décider de ne pas comprendre ce que raconte le voisin bavard sur son téléphone portable alors que vous êtes dans le train en train d'essayer de préparer votre conférence. Sauf évidemment si c'est une langue que vous ne connaissez pas. Alors là, pas de problème, mais si c'est une langue que vous connaissez, vous ne pouvez pas freiner en quelque sorte le processus de compréhension. Vous n'avez pas de contrôle dessus. Et puis, vous ne pouvez pas non plus décrire ce qui se passe. Nous n'avons pas un accès introspectif, contrairement à ce qui se passe quand nous raisonnons. Nous avons un accès introspectif quand nous raisonnons. Nous n'avons pas cet accès introspectif quand nous percevons. Ni non plus d'ailleurs, enfin c'est un peu plus compliqué en matière de commande motrice. Je veux dire, vous pouvez vouloir lever le bras, mais vous n'avez aucune idée des commandes que vous devez envoyer à une dizaine de muscles pour que le résultat soit que vous leviez le bras. Donc, vous êtes à un tout autre niveau. L'information que vous traitez n'est plus une information de type personnel, conscient, etc. C'est une information de type qu'on appelle parfois justement infrapersonnel ou subpersonnel, parce que c'est plutôt une information que traitent les neurones auxquels vous n'avez pas accès. Alors, ce n'est peut-être pas exactement l'information cérébrale, mais c'est une information, en tout cas, qui est à un niveau, en quelque sorte, préconscient. Alors, pas inconscient au sens freudien, par exemple. Il y a toute une question de savoir s'il y a un rapport entre l'inconscient freudien, l'inconscient des psychanalystes et l'inconscient du connexionnisme. C'est pas la même chose, en tout cas, c'est ce que je peux dire rapidement. Et alors, ce changement de perspective, vraiment très, très important, très fondamental, s'accompagne d'un changement d'appareil. L'appareil pour l'intelligence artificielle symbolique, classique, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'ordinateur de von Neumann, c'est-à-dire l'ordinateur courant, inventé par von Neumann, mais aussi par Turing, d'ailleurs. Et pour la bonne raison que l'ordinateur inventé par von Neumann et Turing calquait en quelque sorte ce qu'on imaginait être la dynamique des pensées conscientes chez l'être humain. Ça ne convient pas du tout pour le traitement d'une information qui est d'abord hautement parallèle, j'ai oublié de le dire, c'est-à-dire elle n'est pas séquentielle d'une chose après l'autre. Quand vous percevez un tableau, une scène, vous percevez une scène auditive ou visuelle, vous percevez à la fois tous les éléments, tous les pixels, si vous voulez, ils sont traités en parallèle. Donc il vous faut une architecture complètement différente, qui est celle justement des réseaux de neurones. Alors la complication, c'est que l'ordinateur de von Neumann a une propriété extraordinaire, c'est qu'il peut simuler n'importe quel processus. Il peut simuler une tornade, il peut simuler la circulation des voitures à Toulon, il peut simuler n'importe quoi. Il peut donc aussi simuler ses réseaux de neurones. Mais fondamentalement, les systèmes qui permettent donc de traiter l'information dont je parlais à l'instant, sont des systèmes neurones. Alors, je passe rapidement parce que je suis en train de prendre du retard. Donc, le connexionnisme, c'est une longue affaire. En fait, ça remonte, je l'avais un peu annoncé au perceptron de Rosenblatt. Ça remonte même à un célèbre article de 1944 de McCulloch et Pitts. Et ça a, en quelque sorte, traversé d'abord de manière assez souterraine, l'histoire de l'IA, jusque vers le milieu des années 80, où ça a complètement explosé sur la scène. Il y a eu de nouveau un fléchissement du connexionnisme, et puis il triomphe maintenant avec le deep learning, une grande victoire décisive d'un modèle de deep learning en matière de reconnaissance d'images en 2012, et puis maintenant avec l'IA générative. Alors maintenant, il se pose donc deux questions, une grande question, qu'on peut formuler de deux manières. La question qui vous démange, enfin je l'espère, c'est est-ce que l'intelligence artificielle est sur la voie de la réussite, hein? C'est ce qu'on lit dans les journaux, tout le temps. Encore un progrès, ça y est, on la gagne dans 3 ans, etc. Il faut se préparer, la France doit se défendre et tout ça. Donc il y a évidemment les optimistes et les pessimistes, mais ça, comme toujours en
matière de prospective, il y a toujours des optimistes et des pessimistes. Est-ce qu'on va avoir de la fusion nucléaire? Est-ce qu'on va avoir du je ne sais quoi? On a des raisons de penser que oui, on a des raisons de penser que non. Mais là, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a deux interprétations de la question fondamentale. Est-ce que l'IA va continuer, va poursuivre sa conquête des différents secteurs d'activité sans rencontrer une limite préassignable? Ça, c'est une manière de poser la question, d'interpréter la question. La deuxième manière d'interpréter la question, est-ce que l'IA va finalement produire des systèmes d'intelligence artificielle vraiment intelligents, intelligents au sens humain, capables de remplacer des humains dans leurs existences quotidiennes, comme le disait, comme l'annonçait, n'est-ce pas, dès le début, dès les années 50, Minsky, McCarthy, Herbert Simon, etc. Si bien que, eh bien, on va un jour se trouver dans une situation où il y aura indifféremment des êtres humains fabriqués par les moyens traditionnels et des systèmes artificiels intelligents qui seront peut-être des robots, etc., comme on en voit dans les films de science-fiction, etc. Alors, selon qu'on prend une interprétation ou l'autre, on va avoir différentes réponses. Donc, il y a une réponse ultra optimiste, c'est qu'on va avoir oui et oui. C'est-à-dire, oui, l'intelligence artificielle va continuer de conquérir tous les secteurs d'activité, tous les modes opératoires, etc. Et aussi qu'elle va aussi, de cette manière-là, se rapprocher et finalement rattraper, voire dépasser l'intelligence humaine. Et cela est un changement par rapport à la période précédente où on disait non, non, nos systèmes vont être de plus en plus performants, dans de plus en plus d'activités, mais nous ne nous prononcerons pas sur le caractère intelligent. Bon, il y a un retour tout à fait frappant dans la profession de gens, de spécialistes qui maintenant disent si, 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 ce que nous visons, c'est bien ce que visaient les pionniers de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la vraie intelligence. Pas une pseudo-intelligence, une intelligence entre guillemets, etc., une vraie intelligence. Et la preuve en est que les principaux, certains des principaux chercheurs actuels disent nos systèmes ne sont pas encore intelligents. Alors, vous allez dire, mais c'est une contradiction. C'est pas du tout une contradiction, c'est de la modestie ou de la fausse modestie, mais ça indique que le but qu'ils poursuivent, c'est véritablement la vraie intelligence. Et là, j'ai des citations des trois principaux contributeurs de l'intelligence artificielle dont vous entendez parler aujourd'hui, qui sont un peu ce que j'appelle les trois mousquetaires, les grands inventeurs du deep learning, ceux qui ont vraiment développé le deep learning, Yann LeCun, Jeffrey Hinton et Joshua Bengio. Et là, il y a trois citations ou quatre citations de ces gens-là qui disent, bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on n'en est pas loin, ça va arriver. Cela dit, ils reconnaissent qu'il manque encore quelque chose, et là, ils diffèrent un petit peu. Est-ce qu'il y a cette percée décisive, on la voit venir, ou est-ce qu'on ne la voit pas venir? La plupart d'entre eux sont suffisamment lucides pour dire, non, non, on n'y est pas encore, il nous faut une percée, mais nous allons avoir cette percée. Ça, c'est pour cela qu'ils sont optimistes. Alors, évidemment, on peut se dire que ce débat est déjà dépassé à cause de l'IA générative et ChatGPT. Alors, il y a effectivement un célèbre article qui fait couler beaucoup d'encre et qui même cause actuellement un procès. Enfin, ça, c'est une histoire compliquée, j'expliquerai ça peut-être si vous avez une question, selon lesquels les tout derniers systèmes d'IA générative présentent des étincelles d'intelligence générale. D'ailleurs, intelligence générale, ça prend maintenant un nouveau sens. C'est pas seulement une intelligence qui, telle l'intelligence humaine, est capable de tout faire, n'est-ce pas, organiser les vacances, etc., etc. C'est une intelligence de niveau humain. En fait, le vocabulaire change constamment, et maintenant, quand on parle d'intelligence générale, intelligence artificielle générale, il s'agit d'une intelligence de niveau humain, en anglais « human level intelligence ». Alors, il y a une façon de
en quelque sorte, de résister, de dire non, non, l'intelligence générative, donc encore une fois, technique, bon, ce qu'on appelle intelligence générative, j'aurais dû le dire peut-être plus clairement, c'est tous les modèles de type ChatGPT. Donc tout ce qui vient, qui est sorti en quelque sorte ces toutes dernières années et qui se développe à une allure absolument extraordinaire. Quand j'ai commencé à écrire le passage correspondant dans mon livre, il y avait en tout et pour tout un système de ce genre. Enfin deux, il y avait deux systèmes de ce genre. Maintenant il y en a des milliers de systèmes de ce genre, tellement ça va vite. Alors, on peut se tranquilliser, on peut se dire, mais non, après tout, ChatGPT, c'est rien du tout, c'est simplement qu'ils ont mémorisé d'énormes quantités de données, donc c'est pas étonnant. Non, non, il y a quelque chose de très, très, très frappant, de très, presque mystérieux, et on se rassure à bon compte sur les capacités et l'origine, l'explication fondamentale des capacités de ChatGPT et des autres modèles d'IA générative. Donc ChatGPT nous interpelle, une fois qu'on a compris comment ChatGPT, alors je ne sais pas si j'avais prévu de le dire un peu avant ou un peu après, mais comme je manque de temps maintenant, il faut que j'accélère un peu. Donc l'idée générale de ChatGPT, beaucoup d'entre vous le savez parce qu'il y a d'innombrables articles dans la presse et sur Internet qui expliquent à peu près comment ça marche, on présente à ChatGPT, et de manière générale aux modèles connexionnistes, on leur présente des exemples. Et on leur... alors, je fais un pas en arrière. Dans les modèles avant ChatGPT, les modèles connexionnistes avant ChatGPT, c'était essentiellement des modèles qui permettaient de reconnaître, d'identifier des images. Alors comment on faisait? On leur présentait un million d'images de chats, de chiens, de girafes, etc. Et on leur disait à chaque fois, ça c'est un chat, ça c'est une girafe, ça c'est un chien. Et le modèle, peu à peu, apprenait à reconnaître, corrigeait peu à peu les paramètres internes du domaine, du système. Et ça veut dire que je dois cesser de parler. C'est pas grave, vous m'entendez, vous n'avez pas besoin de me voir. Non, non. Vous n'avez pas besoin de me voir et voilà, voilà, merci. Donc voilà, de cette manière-là, le système, et c'est pas si surprenant que ça, finit par apprendre à reconnaître les chats, les chiens et les girafes. Dans le cas de ChatGPT, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'on fait, c'est que on lui apprend à compléter un mot qui manque. Vous vous souvenez des exercices de grammaire ou de vocabulaire dans les petites classes où vous devez, il y a trois petits points. Et il faut remplir les trois petits points et si vous remplissez bien, eh bien vous avez une bonne note. C'est exactement à ça qu'on entraîne ChatGPT, à compléter un mot qui manque dans une phrase. Mais on lui expose pratiquement la totalité des phrases qui n'ont jamais été prononcées par l'humanité. Pas tout à fait, mais tout ce qui est contenu dans Internet et qui est à peu près présentable et fiable, à peu près, est présenté au système. Et donc ce système apprend peu à peu à compléter n'importe quelle phrase ou n'importe quel texte qui a été présenté. Et c'est cela qui lui donne, étrangement, sans qu'on comprenne exactement pourquoi, ses capacités, en tout cas superficiellement intelligentes. Alors, ça c'est l'idée générale, et on arrive un peu à s'expliquer, oui, que effectivement, nourri de cette énorme quantité de textes, ils parviennent en quelque sorte à compléter les textes que vous lui proposez, parce qu'il ne fait rien d'autre. Hein. Vous lui donnez ce qu'on appelle un prompt, une invite ou une incite, et il complète en quelque sorte ce texte. Mais il y a quand même, et ça je crois que c'est important d'y insister, deux obstacles à notre compréhension. Le premier obstacle, c'est qu'il y a les ingénieurs, eux, ils ont fait des choses qu'ils ne nous disent pas. Il y a un secret industriel qui est jalousement gardé et qui comprend notamment une intervention d'intelligence artificielle symbolique, justement. Ce ne sont pas de purs systèmes associationnistes ou connexionnistes.
mais on ne sait pas exactement comment tout ça se goupille. Il y a une intervention humaine importante qui fait que les systèmes répondent finalement d'une manière apparemment pertinente et intelligente, sans qu'on comprenne très bien pourquoi. Parce que les ingénieurs ne nous disent pas exactement comment ils s'y sont pris. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que les ingénieurs eux-mêmes ne comprennent pas. C'est-à-dire ces propriétés qui ont émergé en quelque sorte à partir du moment où ces systèmes sont devenus immensément compliqués, eh bien les ingénieurs l'ont découvert en partie par hasard. Ils allaient en quelque sorte dans cette direction, si vous voulez, mais ils ont été les premiers surpris à constater les capacités qu'on dit parfois émergentes, c'est parce qu'on ne pouvait pas les prévoir à partir de ce qu'on avait mis dedans, c'est quelque chose qui a émergé en quelque sorte pour donner ce résultat. Donc, maintenant, je reviens à la question qui m'intéresse aussi, l'intelligence artificielle m'intéresse, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si je peux continuer de défendre l'idée que, tout en faisant ces progrès extraordinaires, l'intelligence artificielle ne rejoint pas l'intelligence humaine, pas plus que, si vous voulez, le chien arrive à dépasser la Lune en courant toujours dans la direction de la Lune. Court vers la Lune, mais il ne la dépasse pas. Et donc, d'une certaine façon, je pense que l'intelligence artificielle est, par rapport à l'intelligence humaine, ou disons une certaine dimension de l'intelligence humaine, un peu dans la même situation. Alors, j'ai dit que l'intelligence humaine était souvent considérée par le sens commun comme assez insaisissable, assez mystérieuse. On se sert de la notion d'intelligence, mais on est bien en mal de la définir. C'est vrai, mais les psychologues scientifiques qui à un moment se sont beaucoup intéressés à l'intelligence, surtout en France, ça c'est toute la tradition du quotient d'intelligence, dont on s'est beaucoup moqué, mais on a exagéré, c'est pas une si mauvaise idée que ça, le quotient d'intelligence et les tests d'intelligence. Toujours est-il que ça a été laissé de côté. Donc par exemple les sciences cognitives, qui sont en quelque sorte une forme moderne de psychologie scientifique, pour le dire rapidement, n'ont pas de chapitre sur, par exemple, j'ai vu qu'un des livres que j'ai co-dirigé était en vente là sur la table à l'entrée. C'est un manuel de sciences cognitives au niveau master. Vous n'y trouverez pas un chapitre qui s'appelle intelligence. Néanmoins, un certain nombre de psychologues ces dernières années se sont intéressés un petit peu en marge des sciences cognitives, se sont intéressés à l'intelligence et ont proposé de la définir comme une capacité de résoudre des problèmes. Avec toutes sortes de nuances, il faut que les problèmes soient relativement difficiles, qu'ils soient assez variés, qu'on puisse les résoudre assez rapidement, etc., etc. Alors, je pense que c'est une définition intéressante de l'intelligence, mais qu'elle est très limitée. C'est-à-dire que je pense que ce que fait l'intelligence artificielle, c'est bel et bien de résoudre des problèmes, mais en un sens très particulier de problème. Un problème en ce sens-là, ce n'est pas n'importe quelle difficulté, conflit, tension ou quoi que ce soit de ce genre. C'est quelque chose à l'image des problèmes que posent les professeurs à leurs élèves. Un problème, c'est quelque chose qui est proposé, qui est mis devant un élève, à charge pour lui de découvrir la solution, une solution que le maître, lui, connaît, et en tout cas sur laquelle l'accord se fera quand la solution sera trouvée. Hein, quand vous trouvez une pièce de puzzle qui manque dans votre puzzle, vous voyez que c'est justement la pièce qui manquait. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Quand vous demandez à un élève de vous résoudre une équation du premier degré et qu'il vous dit bon, x égale 2 tiers, eh bien, vous constatez que c'est la bonne solution ou pas. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, c'est ça qu'elle est capable de faire. Elle est capable de résoudre des problèmes, et pas seulement des problèmes très simples, mais des problèmes d'une complexité toujours plus grande. Mais je dirais que l'intelligence humaine, c'est un peu une autre affaire. Je dirais que c'est
la capacité de faire face à une situation de manière appropriée. Faire ce qu'il faut, ce qu'il convient de faire, au moment donné, dans le contexte donné, le contexte qui est celui d'une personne qui est dans un état, dans une situation particulière. Donc je pense que l'intelligence humaine, c'est ça. C'est essentiellement la capacité de faire face de manière appropriée à une situation. Et pour moi, une situation, c'est très différent d'un problème, disons, de type abstrait. Un problème, c'est impersonnel. L'équation du premier degré, c'est la même pour monsieur au premier rang, pour vous, pour quelqu'un d'autre, pour un élève chinois qui travaille sur le même problème. C'est complètement indépendant du temps, de la personne, de la situation générale. Une situation, c'est exactement le contraire. C'est la situation dans laquelle moi, par exemple, qui dois terminer cet exposé dans 3 minutes maximum parce qu'on atteint l'heure et qu'il est grand temps de terminer, j'ai une situation très particulière qui est la mienne, que j'essaie de gérer le moins mal possible. C'est ma situation, c'est pas la vôtre. Vous avez une autre situation, qui est d'essayer de m'écouter jusqu'au bout sans vous endormir, c'est pas forcément évident. Et donc, voilà, c'est quelque chose de personnel, de singulier, c'est quelque chose qui se passe à un moment donné dans un contexte donné. Et pour être dans une situation, pour vivre une situation, il faut faire partie du monde. Pas avoir une représentation comme, je ne sais pas, le contrôleur aérien dans sa tour de contrôle à l'aéroport de Marseille, qui n'a pas de contact direct avec les avions, mais qui a une représentation sur la position des avions et sur leur trajectoire. Mais si vous êtes partie intégrante du monde, vous avez directement accès au monde et vous avez un mode d'interaction, une capacité d'interaction avec ce monde. Vous n'êtes pas en train d'interagir sur des représentations du monde. Et vous acquérez de cette manière-là une familiarité avec le monde qui vous permet d'en comprendre certains aspects fondamentaux sans devoir analyser en quelque sorte, comme le fait une machine, un ordinateur, un par un pour se faire une idée de ce qui se passe. Alors pour être dans le monde, eh ben, il faut avoir un corps. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il faut avoir un enjeu. Quand vous êtes dans une situation, moi j'ai un enjeu, c'est que j'essaye de terminer rapidement. Et si je n'y arrive pas, si ma parole devient confuse, si finalement je dépasse l'heure d'une demi-heure, eh bien je me serais déconsidéré. Et ça m'ennuie de me déconsidérer, ça m'ennuie de vous décevoir. J'ai un enjeu personnel. Un ordinateur n'a pas d'enjeu personnel. Un ordinateur, si vous lui dites « perd aux échecs », il perd aux échecs. Si vous lui dites « gagne aux échecs », il gagne aux échecs, il s'en fiche complètement. Il n'a pas d'enjeu. Il n'a pas sa peau à sauver. Moi, j'ai ma peau à sauver. Toute proportion d'âme, gardez. C'est pour ça que je vais être condamné, mené à la guillotine si j'échoue complètement. Mais enfin, il y a quand même un enjeu. Et là aussi, pour qu'il y ait un enjeu, il faut qu'il y ait un soi. J'ai parlé de sauver sa peau. Évidemment, c'est une métaphore, mais c'est une métaphore que je prends au sérieux. Et ce corps, c'est pas un corps, c'est pas le corps d'une plante, parce que je doute qu'une plante ait un soi. Il n'y a que les animaux qui ont un soi, et tout particulièrement les animaux humains, parce qu'ils ont une conscience, ils ont une conscience réflexive, et ainsi de suite. Et donc tout cela est indispensable, à mon avis, et ça fait partie, en quelque sorte, de la notion que je défends d'intelligence humaine. Alors là, je vais passer, je disais, la réaction d'un ingénieur, d'un scientifique qui ne se laisse pas compter, c'est la suivante. Monsieur Handler, vous avez peut-être raison, mais nous, on n'a aucun problème pour un corps. Pour donner un corps à nos systèmes artificiels, on va leur donner un corps robotique. On va faire des robots intelligents, et les robots intelligents, eux, ils vont y arriver. Alors, malheureusement, c'est plus compliqué que ça, parce que pour avoir un corps, il ne s'agit pas simplement d'être branché sur un corps. Donc un système d'intelligence artificielle qui est branché sur un robot, justement, il y a une réalisation. Aujourd'hui, on nous a annoncé qu'il y avait
une réalisation extraordinaire avec un robot particulièrement performant sur lequel était branchée une intelligence artificielle particulièrement performante et que ça donnait des résultats étonnants. Donc c'est ce que je vais faire en rentrant à l'hôtel ce soir. Je vais regarder ce modèle pour essayer de comprendre s'il est tellement meilleur. Mais moi, je prédis que l'intelligence, le corps, le robot de l'intelligence artificielle n'est pas son corps au sens où c'est mon corps. Une chose est d'avoir un corps à disposition. C'est la même chose si, par exemple, étant chirurgien, j'ai un robot chirurgical que je peux opérer éventuellement à Tokyo alors que je suis ici tranquillement à Toulon devant mon écran d'ordinateur. Ça, c'est une chose, mais ce n'est pas la même chose que les mains, mes mains à moi. Mes mains agissent évidemment sur des manettes qui se transmettent au robot là-bas à Tokyo, qui opère à Tokyo. Ce n'est pas la même chose. Donc voilà, je pense que pour être pleinement intelligent, il faut avoir un corps, et pas seulement un corps au sens où on peut équiper un système d'intelligence artificielle d'un robot, il faut avoir un corps qui est le sien. Conclusion. L'objectif que l'IA poursuit en réalité est d'automatiser la résolution de tous les problèmes ou de toutes les tâches possibles. Problèmes ou tâches doivent s'entendre au sens strict, où j'ai essayé de le dire un peu trop vite. Le potentiel de l'IA, si on le précise de cette manière-là, est sans limite. Donc sur ce plan, j'ai changé en 50 ans que j'y réfléchis. Je pensais que l'intelligence artificielle des premiers temps, l'intelligence artificielle symbolique, se heurterait à des limites qu'on pouvait prévoir. Je ne pense plus, j'ai changé d'avis, parce que l'intelligence artificielle a changé aussi de nature, elle est passée à ce stade beaucoup plus évolué, connexionniste, hybride, etc. Mais je dis que l'intelligence ne se réduit pas à la résolution de problèmes, elle consiste en l'aptitude à faire face à des situations. Et pour qu'un système artificiel puisse être au centre d'une situation, la vivre, il faudrait au moins qu'il ait un corps, qui soit son corps à lui, témoin de son engagement continu dans le monde. Il faudrait aussi qu'il soit sensible à la normativité irréductible de ce qu'il faut faire. Excusez-moi, là ça devient un petit peu compliqué. Ça veut simplement dire que je pose, il y a toujours un jugement que je porte sur le caractère approprié ou non de ma conduite. Et ce jugement, vous le portez vous aussi. Et ce sont des jugements qui ne sont pas des jugements entièrement objectifs. C'est pas objectif comme ça. C'est quelque chose qui se discute. Savoir si je me suis comporté à tel moment de manière intelligente est quelque chose qui est par principe toujours ouvert à discussion, même si dans certains cas, on est d'accord qu'il y avait là une façon intelligente ou une façon bête de se comporter. Donc, moi, je ne vois pas comment l'intelligence artificielle pourrait... Je ne vois pas comment l'intelligence artificielle pourrait parvenir à acquérir un corps, un soi, et avoir ce sens de la normativité. Et si bien que j'estime que malgré tous ces progrès admirables, remarquables, l'intelligence artificielle apparaît aujourd'hui comme infiniment loin de l'intelligence. Excusez-moi d'avoir dépassé mon temps. Des questions. Première question. Bonsoir et merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais enchaîner avec l'idée du corps et vous demander ce que vous pensez de l'ordinateur cadre dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Est-ce qu'on pourrait dire que là on aurait une intelligence artificielle avec un corps puisqu'il a des émotions, qu'il réagit de manière un peu narcissique et que finalement on a un petit combat à la fin, mais il a toujours pas de corps. Oui, alors, merci beaucoup de cette question qui est tout à fait pertinente. D'abord, évidemment, HAL n'existe pas. Donc, c'est un peu gênant, parce qu'on peut toujours... Et la science-fiction ne s'est pas privée, hein, depuis Marie Shelley, Frankenstein, le golem, etc. L'imagination humaine, depuis très longtemps,
s'interroge, est interpellé et sollicité par ces idées de quelque chose qui serait comme l'humain sans être humain, sous différentes formes. Hall est dans cette famille générale, sauf que Kubrick était très au courant, il avait consulté des scientifiques de très haut niveau à l'époque, et le film est effectivement assez prémonitoire. N'empêche que Hall n'existe pas, et il n'existe toujours pas. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que est-ce que avoir par exemple des émotions et craindre par exemple l'extinction, puisque c'est ça que craint Hall, et c'est tragique, n'est-ce pas, ça fait presque pleurer, ce qui prouve qu'on projette très très facilement nos émotions hein, sur ces systèmes, est-ce que ça suffit à avoir un corps? On peut en discuter, je n'ai pas de réponse absolument tranchée là-dessus. Je pense que, disons, le fond de ma pensée, c'est qu'il faut que le corps ait quelque chose de biologique, si vous voulez, avec une histoire, une histoire d'abord évolutionnaire et ensuite une histoire développementale, c'est-à-dire qu'un corps, c'est quelque chose qui se développe à partir d'une situation de début, comme un bébé, et qui peu à peu acquiert une familiarité, habite un monde qui est le monde qu'elle va, dont elle va faire partie et aux lois duquel elle va être contrainte. Et que ça, tant qu'on n'aura pas quelque chose de ce genre, c'est-à-dire une forme de biologie synthétique, si vous voulez, on n'aura pas réellement un corps artificiel. Un corps artificiel, c'est quelque chose qui doit être biologique d'une manière ou d'une autre, et pas simplement une sorte d'intellectuel. Voilà ce que je peux dire rapidement. Mais comme vous le sentez, la question est difficile et j'ai eu du mal à y répondre d'une manière qui vous a entièrement convaincu. Oui, merci pour cet exposé très brillant. Quelque chose qui m'étonne, le mot concevoir. Je pensais naïvement. Je pensais naïvement que la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle tenait dans le verbe concevoir. Et vous ne l'avez jamais prononcé, est-ce à dessein? Moi je pense que l'intelligence humaine permet de se projeter, ce qui n'est pas forcément le cas de l'intelligence artificielle. Mais je me trompe peut-être, c'est très vulgaire. Non, je vous remercie de votre question. Effectivement, il y a beaucoup d'aspects ou de dimensions que je n'ai pas du tout abordées. Je ne sais pas si la projection serait exactement ce que je... pour moi, ce n'est pas vraiment synonyme de ce qui me semble être derrière le mot de concevoir. Moi, je verrais plutôt, et c'est effectivement quelque chose qu'on peut se demander, c'est la capacité de faire du neuf. La capacité d'imaginer, la capacité de partir de rien, en quelque sorte, pour produire une idée nouvelle. L'idée de la relativité, l'idée de l'intelligence artificielle elle-même, l'idée de la paix universelle, ce sont des idées qui semblent, d'une certaine façon, venir de nulle part, et dont on a du mal à imaginer qu'une intelligence artificielle puisse la produire. Alors, il y a eu des travaux depuis longtemps, hein, même dans l'ancien paradigme de l'intelligence artificielle, sur la créativité. Et l'idée de la créativité a été vue par un certain nombre de gens qui voulaient défendre l'idée que l'intelligence artificielle ou un ordinateur pouvait créer, comme une forme de recombinaison. Après tout, créer, ça n'est peut-être rien d'autre que de combiner des idées qui étaient déjà présentes. Et dans ces conditions, si créer, ça n'est rien d'autre que ça, on conçoit qu'une machine puisse créer. La critique de cette idée, c'est que non, créer, c'est autre chose. La paix universelle ou la relativité générale, ce n'est pas simplement une recombinaison combinatoire, si vous voulez, d'idées qui étaient là précédemment disponibles, même si
il y a évidemment une évolution des idées. Alors moi je pense aussi que la créativité, l'inventivité fondamentale ou la spontanéité, ça n'a pas besoin d'être des idées scientifiques d'une extrême profondeur, c'est simplement le fait que l'être humain a cette autonomie qui lui permet en quelque sorte de produire quelque chose d'entièrement nouveau qui ne vient pas, du moins pas directement, de ce qu'il a en quelque sorte en magasin. Et ça, c'est une différence peut-être fondamentale avec l'intelligence artificielle. Mais une des raisons pour laquelle je ne me suis pas trop aventuré sur cette voie, d'abord il y a une question de temps, mais il y a surtout le fait que mon expérience semble me prouver que ce sont des discussions sans fin. En réalité, la question de savoir si une machine peut finalement comprendre, si elle peut acquérir une autonomie, ce sont des questions sur lesquelles les philosophes eux-mêmes et les scientifiques, les ingénieurs se disputent en quelque sorte sans fin. Donc oui, c'est une question qui ne sera jamais complètement tranchée. C'est comme celle du libre arbitre. Moi j'ai une question pratique. Vous avez dit que ChatGPT ou ChatGPT ou n'importe quel outil de ce genre travaillait à partir de millions, de milliards de données. Mais ces milliards de données, elles sont où? Elles sont classées comment? Elles appartiennent à qui? Il y en a les unes qui sont chez Google, d'autres qui sont chez Apple, les troisièmes qui sont... Elles sont classées et elles sont en accès libre. Et tout ceci donne l'accès gratuit à ChatGPT. Tout ceci me mystifie. Alors vous soulevez des tas de questions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Alors d'abord, au niveau le plus simple, les données sont dans un énorme répertoire qui s'appelle Common Crawl et qui est constitué de la quasi-totalité de tout ce qui est disponible sur Internet en accès généralement libre ou plus ou moins libre. Donc évidemment, tout Wikipédia, tout ce qu'on trouve sur Internet en accès libre, et probablement également en accès contrôlé. Mais tout ça forme une base de données qui s'appelle Common Crawl, et auquel je crois qu'on a tous plus ou moins accès, là j'avoue être un peu à la limite de ma compétence. Alors, ensuite, donc une fois que vous avez ça, il faut évidemment construire votre modèle et régler ses paramètres, qui sont en plusieurs milliards. Et le réglage des paramètres, lui, est une affaire privée, d'abord extraordinairement coûteuse, d'abord, et qui n'est pas en accès libre. Alors certains modèles, par exemple les modèles de Facebook, les modèles Meta de Facebook et d'autres, et apparemment Elon Musk a décidé de mettre son modèle à lui également à la disposition, on a une partie en tout cas de l'information, ce qui permet éventuellement de raffiner ces modèles. Mais le traitement basique de ces données, ça, on n'y a pas accès. Comment ils sont arrivés à ces poids, hein, ces réglages de paramètres, ça, on n'a pas accès à ça. On a le résultat. Et voilà, donc, alors, c'est pas classé, tout ça n'est pas classé, parce que la notion même de classement n'est pas la bonne dans le cas de ces modèles-là, qui sont pas classés de manière symbolique, justement, comme à l'ancienne, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la première chose. Et alors, pour ce qui est de la question du coût, il est gigantesque. ChatGPT claque une quantité d'argent absolument monstrueuse, et donc, alors maintenant, ils font payer un petit peu le ChatGPT, enfin le GPT-4 payant, n'est-ce pas? Mais même cette cotisation est loin de combler le déficit de OpenAI. Donc c'est très très loin d'être gratuit, en réalité. Une des applications de l'intelligence artificielle, ça va être la vidéosurveillance.
il paraît qu'il y a 1 milliard de caméras dont la moitié sont en Chine. Alors, dans beaucoup de pays, on ne demande pas le consentement quand on prend des photos, des vidéos. Alors, quel avenir voyez-vous à cette immense réserve de photos dans les pays totalitaires? Est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas permettre des choses absolument condamnables où le droit sera effacé? Je vous rassure, c'est fait. C'est fait. Non, la situation est absolument dramatique, à beaucoup d'égards. Donc, il faut voir, il y a deux dimensions. Il y a d'une part l'ensemble de ce que j'appelle la numérisphère. Je l'appelle la numérisphère au lieu de l'appeler bêtement numérique, simplement, comme tout le monde, la numérisphère, ça a l'air prétentieux. Mais j'appelle ça la numérisphère parce que je pense que ça constitue un réseau aux mailles extrêmement serrées dans lequel nous sommes tous en réalité emprisonnés. De même qu'il y a l'atmosphère, vous pouvez toujours essayer de vivre sans l'atmosphère, vous ne tiendrez pas le coup longtemps. Vous ne pouvez pas vivre hors de la numérisphère, sauf dans des cas tout à fait spéciaux. Donc cette numérisphère présente des risques et des dangers, des pathologies et des scandales considérables, même hors intelligence artificielle stricto sensu. Enfin, les réseaux sociaux, par exemple, oui, il y a bien sûr un peu d'intelligence artificielle pour les algorithmes de recommandation, etc. Mais fondamentalement, ce qui rend les réseaux sociaux aussi incroyablement toxiques, c'est simplement le fait qu'ils interconnectent les gens avec toutes ces capacités de reproduction, de viralité, etc. Et de la même manière, les atteintes à la vie privée, la surveillance et tout ça, sont en partie malheureusement déjà portés par la numérisphère. Et ce réseau absolument monstrueux de caméras, etc., dans lequel il n'y a pas beaucoup d'intelligence artificielle très avancée. En revanche, il est tout à fait exact que l'intelligence artificielle va décupler, centupler, multiplier de manière incroyable les capacités, effectivement, de surveillance et de violation et de contrôle totalitaire. Et il y a là de quoi être extraordinairement inquiet. La seule pensée qui est un peu consolante, c'est que les gens ont pris conscience un peu partout de ces dangers. Donc, les autorités européennes, notamment, qui sont un peu à la pointe de ça, et puis un bon nom, la société civile commence à se rendre compte des dangers. Et donc, on peut imaginer que la société civile, les sociétés, et puis les démocraties, malgré toutes les difficultés qu'elles rencontrent, vont sécréter en quelque sorte des antidotes suffisamment puissants pour écarter ces dangers. Mais je ne suis pas rassuré. Voilà. Je voulais vous poser une question. Vous savez, quand je vous ai lu, aussi étrange que ça puisse paraître, j'ai pensé à Proust sur l'intelligence humaine et la place du corps. Alors, je vais le citer. Lorsqu'il retrouve le goût de la madeleine de Combray, il dit « Un plaisir délicieux m'avait envahi en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. » Et alors, je me suis dit, et là vous avez donné une réponse finalement, c'est que l'intelligence artificielle, sans corps, ne peut pas avoir de conscience de soi, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit. Et puis je continue, il dit encore « L'odeur et la saveur restent longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice du souvenir. » Et alors, je me suis dit, l'intelligence artificielle peut-elle avoir une âme ? Peuvent-elles attendre avoir la conscience du temps? Peuvent-elles fouiller dans l'édifice du souvenir et donc de l'oubli? Là, je crois qu'il n'y a pas de question. Je ne pense pas que la question du souvenir de l'oubli puisse se poser. Et l'IA pourrait-elle, comme les humains, avoir des trous de mémoire? Voilà. Alors, merci beaucoup pour ces remarques et ces magnifiques citations de Proust. Le problème, c'est que, si vous voulez, littéralement, vous pouvez simuler une bonne partie de tout ça. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez organiser
votre système d'intelligence artificielle en sorte qu'il ait des trous de mémoire. Vous introduisez un petit module qui va bloquer l'accès à certains souvenirs. Alors évidemment, les souvenirs, c'est toujours en un sens, on a toujours envie de mettre des guillemets. On met des guillemets pour se protéger, d'abord parce que ça nous angoisse quand même, malgré tout, on est un peu inquiet, est-ce que par hasard une machine pourrait être une machine proustienne en quelque sorte. On met les guillemets pour se protéger, on met aussi les guillemets parce qu'on ne sait pas très bien où situer ces capacités simulées qui sont comme un souvenir, c'est du quasi-souvenir, c'est du quasi-trou de mémoire, c'est du quasi... des quasi-émotions en quelque sorte. Mais par exemple, je croise dans les couloirs de mon institut, de mon département, une jeune femme fort intelligente qui travaille, dont la thèse est sur la conscience artificielle. Donc il y a bel et bien, et c'est pas une folle en quelque sorte, son directeur de thèse non plus, ce sont des gens qui pensent qu'il y a malgré tout des équivalents partiels de la conscience. Par exemple, la conscience de soi, il faut comprendre ça en deux sens, mais en un sens, c'est-à-dire la capacité d'avoir en quelque sorte un regard sur ses propres opérations, sur ses propres états mentaux, si vous voulez, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible à un système informatique. En revanche, ce qui ne l'est peut-être pas, c'est... Le vécu, en quelque sorte, de ce regard sur soi-même, et j'aime bien la citation que j'avais oubliée, cette précision, c'est pas en moi, c'est moi, c'est que justement la conscience de soi, au sens du regard qu'on jette sur soi-même, c'est le soi lui-même. Et ce bouclage paraît effectivement un peu difficile à imaginer dans un système informatique quel qu'il soit. Mais ce sont des questions qui exigent une très grande attention phénoménologique, si vous voulez, et c'est un exercice difficile sur lequel il n'y a pas de conclusion nécessairement tranchée. Mais mon intuition va tout à fait dans le même sens que la vôtre. Bien, écoutez, je crois que nous allons conclure après cette formidable conférence. Et puis pour votre immense intelligence. Merci au public de m'avoir supporté pour l'université.